Mais quoi? Le let's play de Rhyme n'est toujours pas fini. Et non les amis, salut à toutes et à tous, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et non, le let's play de Rhyme n'est toujours pas fini, parce que bah oui, ces derniers épisodes, j'ai dit que ça y est, on approchait, que ça allait être bientôt l'épisode final et tout. Et non, on est toujours là pour l'épisode 10 de ce jeu, ce Rhyme. Et pour ceux qui ont suivi les deux derniers épisodes, pourquoi épisode 10? Parce que ça aurait été plutôt épisode 9. Et non, c'est épisode 10, parce qu'en fait l'épisode 8 qui a duré une heure, je l'ai coupé en deux parties, donc épisode 8 et épisode 9. Donc voilà, au lieu de vous faire un gros épisode 8 de 1 heure, j'ai préféré vous faire en deux parties de 30 minutes à peu près. Donc voilà. Et je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais en ce moment c'est la grosse maladie. Voilà, je suis enrhumé, j'ai mal au crâne, ça part de la tête jusqu'à la mâchoire et tout. C'est vraiment, enfin voilà, je suis vraiment pas en état. Mais je me suis dit, allez, on va se faire un petit épisode de Rhyme. Peut-être que ça va me mettre plus en forme et tout, je sais pas. Et en tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, vous passez toujours de bonnes vacances, bon courage à tous ceux qui taffent et tout, voilà. Et on s'était arrêté ici, on avait enclenché une clé, et il nous en manque une autre, je sais pas du tout où est-ce qu'elle se trouve. Et donc pour récapituler en gros, à partir de l'épisode 8 jusqu'à l'épisode 9, on avait rencontré un nouvel ennemi. Voilà, ce grand oiseau là qui nous veut du mal, je sais pas ce qu'il nous veut, là, il veut nous buter et tout. Il est complètement taré, ce gros oiseau là. Et on avait escaladé la grande tour aussi juste avant de rencontrer l'oiseau. On était pas passé de, enfin je sais pas si c'était dans un rêve ou si on était passé au paradis, je sais pas, mais on était dans un endroit, c'était tout blanc et tout. Il y avait notre bateau, donc je pense que c'est le bateau qui s'est échoué, voilà, pour le fait qu'on soit sur cette île. Donc voilà. Et puis après, bon, il y a eu l'épisode de l'oiseau et tout, on a dû lui échapper. Et puis il y avait aussi ces sortes de d'hommes spectres et tout, je sais pas. En tout cas, ils nous ont pas attaqué, ils nous veulent pas de mal, ils ont plutôt peur de nous et tout, ces hommes spectres. Moi au début, ils me faisaient flipper, j'ai dit c'est sûr, ils vont nous attaquer et tout, mais non, ils nous ont pas attaqué. Donc voilà, je pense avoir ré résumé en gros. Et puis bah écoutez, il nous reste encore une clé à trouver, on va essayer de la trouver, j'espère pas trop galérer. Et aussi, je tiens à dire que cet épisode va être assez court, parce que bah vous le voyez, je suis malade, donc je vais pas tenir 30 minutes, je pense pas. Ça va être un épisode de 20 minutes à peu près, voilà. Et donc les amis, on est reparti, on va sortir d'ici et essayer de chercher l'autre clé. Et je sais pas du tout où est-ce qu'elle se trouve. Et en plus, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas joué. Enfin, vous, le dernier épisode, je crois, il est sorti lundi, voilà. Et là, cet épisode va sortir vendredi, donc ça fait moins d'une semaine que vous n'avez pas eu d'épisode. Moi, ça va faire plus d'une semaine que j'ai pas tourné, donc voilà, il faut que je me réhabitue un petit peu au gameplay et tout. On n'est pas allé par là. On va aller voir par là, tiens. Je pense pas qu'on soit allé. Merde, la bulle. Hop. Et je pense qu'elle est par là, la clé, hein, parce que je crois pas qu'on est parti explorer là-bas. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et aussi le grand oiseau, on l'avait bien amoché grâce à l'éclair là qu'on était parti dans les moulins à vent et tout. On avait enclenché une tempête et tout en éclair. On l'avait bien amoché, l'oiseau là, qui fait penser un petit peu à Kuro de Ori and the Blind Forest, pour ceux qui connaissent. Donc, ah, ici je me rappelle pas d'être venu ici, ça me dit rien. Y. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ah, ça fait un truc. Vas-y, refais. Ok, ça fait une sorte de pont. Vous pensez qu'on peut l'atteindre d'ici? Ça me paraît loin. On va tenter, mais. Non, non, c'est trop loin. Il faut le bouger encore. Il faut le bouger. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais les mécaniques qui reviennent tout seul, voilà, on s'habitue un petit peu à ce jeu. Les mécaniques sont à peu près les mêmes à chaque fois. Vas-y, bouge-le. Oula. Ah, là, à mon avis, c'est bon. Ça devrait être bon, là. Alors, attendez, 2 minutes. Je me gratouille le nez. Je vous ai dit, c'est le rhume, le gros rhume. Hop. Ah, bah, elle est là, la clé. J'avais même pas capté. Bah, ok, bah, c'est bon. On n'aura pas galéré. Nickel. Nickel chrome. Ok. Bah écoutez, on va ressortir d'ici. Je sais où est-ce qu'il est, le chemin.
Et je pense pas que ça va être l'épisode final, hein, parce que comme je vous ai dit, ça va être un épisode assez court, donc ouais, je pense pas que ça va être l'épisode final. On verra de façon. Allez, ressortons d'ici. Joindre le groupe. Ah non, désolé, je suis en vidéo, Van Dorn. Si tu regardes cette vidéo, au cas où, on sait jamais. Sorry. Hop, et donc c'est par là-bas, avec les petits poissons et tout. Alors, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a derrière cette porte qu'on va ouvrir. J'ai vraiment hâte. Hop, on passe par là. On va se prendre une petite bulle au passage. Voilà. Donc, attention. Suspense. Qu'y a-t-il derrière la porte? Ah, mais c'est l'accès au dernier moulin, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il nous restait encore un moulin à activer. Et du coup, ouais, ça nous donnait accès au dernier moulin. Enfin, le dernier, je sais pas, mais. En tout cas, on y a accès. Oh. Alors. Oh là là. La beauté de ce jeu, quoi. Quel plaisir de retourner sur ce jeu. Après plus d'une semaine sans avoir joué. C'est toujours. Toujours un vrai bonheur. Et ça nous déverrouille la porte ici. C'est magnifique. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Waouh. Ça pue l'énigme encore. Alors avant. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, on va essayer d'analyser un petit peu la salle. On voit qu'il y a un truc en haut. Ok. Il y a des statues, des plus petites, des plus grandes. Alors, si on fait ça. D'accord. Ça fait pas grand chose, on est d'accord. Donc à mon avis, il va falloir jouer avec cette boule là aussi. Il va falloir la déplacer celle-là. Ouais. Il va falloir la déplacer. On va la déplacer, je sais pas, ici on va dire. Vas-y, lâche. Ça fait pas grand-chose ce truc. On va essayer de l'emmener là-bas. Si on la pose ici, ça. À quoi ça nous sert ce truc? Ouais. À quoi ça peut nous servir ce machin? Oh! Regardez, il y a le truc. Ah! Regardez là-bas, j'avais pas vu. Et donc. Ok, ça a ouvert ça. Ah, ok. Alors c'est... Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'était, ça allait être trop simple s'il n'y en avait qu'un. Il va falloir ouvrir les autres aussi. Alors pour ouvrir les autres, on va s'amuser. Parce que lui, il va... Ouais, voilà, il va se fermer. Et à mon avis, il faut tous... faut qu'on les ouvre tous. Ouais, c'est une histoire. Une histoire d'ombre, regardez. Ouais. C'est une histoire d'ombre. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est tous les activer comme ça pour voir si ça fait quelque chose. Ah, mais attendez, peut-être qu'on peut... On peut tous les avoir d'un coup. Peut-être. Je sais pas. On va tenter quelque chose. Là, celui-là, on l'a. Mais celui-là, on l'a pas. Faudra arriver à tous les avoir en fait. Faudra arriver à tous les avoir. Et c'est pas évident. Ah mais regardez, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de tous les avoir. C'est pas évident. Là, on est pas mal.
Ici, c'est pas mal. Regardez. Ouais. Cet endroit-là, c'est pas mal, mais il nous reste. Il nous reste le plus compliqué là-bas à choper. Là. Vas-y. Est-ce qu'on est bon ici? On est bon. Oh, il nous manque celui-là. Oh, de pas grand-chose. De pas grand-chose. Alors, attendez. Dites-moi qu'on est bon. Oh putain, on n'est pas bon ici et on est bon là. Oh putain. C'est la merde. C'est chaud. Lui il est bon. Lui c'est bon. Et... Lui c'est bon, yes, nickel. C'est bon, on les a tous. Alors maintenant je pose qu'il faut... Voilà. Bon ça va, c'était pas trop compliqué encore, ça va. Et donc ça fait monter le niveau de l'eau et on va pouvoir accéder à l'étage d'au-dessus. Bah ça va. On n'est pas resté longtemps bloqué, ça fait plaisir. Ok. Ah, il va falloir faire pareil ici. Ok, on a le truc là-bas. Il va falloir venir faire venir un truc ici déjà. Alors, est-ce que l'oiseau va m'attaquer encore ici? Est-ce qu'il m'attaque? Pas l'impression. Ah, mais là, il m'attaque. Vite, vite, vite. Cache-toi. Ok. Est-ce qu'il y a des endroits pour se cacher ici? Oui, là. Là, on est caché, là. On n'est pas caché? On n'est pas caché! On est mort. Wouah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ça va être intéressant ce passage. Alors attendez. Est-ce qu'on peut grimper? Non, on peut pas grimper là. Alors attendez, peut-être qu'il y a un truc à faire déjà ici. On va essayer d'accéder au truc là-bas. Vas-y, monte. Monte là-dessus. Est-ce que ça fait quelque chose si je viens déjà ici? Ah non, il nous faut absolument le truc là, ça sert vraiment à rien. Il nous faut le truc au milieu. Il faut aller le chercher dehors. Mais on va s'amuser là. On va s'amuser. Surtout que je sais pas où est-ce qu'il est. Là, dites-moi qu'on est caché. Oui. Vas-y, vas-y, avance, 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 avance. Cours, 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 vite, 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 vite. Il faut aller où? C'est impossible. Alors, moi que c'est de l'autre côté, mais... Wow. Désolé, je tapais dans le micro. Ouais, c'est... Ah, peut-être là, directement. Vas-y, monte. Vas-y, vite. Non, mais... Le boulet... C'est bon. Je voudrais que tu montes, s'il te plaît. Vas-y, monte. Monte! Mais monte! Vite, tu vas pas avoir le temps. Eh voilà, t'as pris trop ton temps, débile. Il a fait je sais pas quoi là. Ok, donc il faut déjà aller en haut. Alors, s'il te plaît, grimpe. Voilà, merci. Allez, vite, va te planquer en dessous là, vite. Voilà, là on est. Ok, on est caché. Alors, il va falloir vite saisir ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez! Ok. Donc, c'est le même principe que l'autre. Il va falloir activer tous les trucs noirs là. Pour que ça fasse péter l'orage là. Et qu'on lui défonce la gueule à l'autre là. Alors. Où est-ce qu'il faut aller? Par là, on est en sécurité. Ok. Pas un endroit pour monter. Non, non, mais laisse-moi tranquille. J'essaie de voir de quel côté il faut aller. Laisse-moi tranquille. C'est pas évident. Par là, vite. Allez, monte! Mais monte, débile! On est mort. On est mort à cause de lui, voilà. Ah là 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 là.
Je sens qu'on va s'amuser. Non, non, t'as pris trop de temps. Va te recacher là. Voilà. Et là maintenant, tu fonces. Allez, tu perds pas de temps. Tu perds pas de temps, j'ai dit. Je pense qu'il faut aller vite en dessous là. Comment on fait pour s'accroupir déjà? Je sais plus. Je sais plus comment on fait pour s'accroupir. Je crois c'est B. Attendez, on va tenter. On va tenter des touches. Ouais, c'est B. Ok, vas-y. Allez, go. Allez, go, mon ami. Allez. Allez. Allez, allez vite. Mais passe en dessous. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Il voulait pas passer en dessous. Alors, à moins que ça soit pas du tout là qu'il faut aller. Alors, peut-être il faut passer en dessous là, non? Non, non, non. Non, c'est ça qu'il faut faire, mais. Il a pas voulu, ce débile. Allez, vas-y. Là, tu peux le faire. Allez. Passe en dessous! Mais il veut pas! Pourquoi tu veux pas? C'est bien ça pour. Ouais, c'est bien ça. Attendez, j'essaye d'autres touches, mais. Non, non, non. Alors, moi, c'est pas là-bas qu'il faut aller. C'est possible aussi. Alors, dans ce cas, il faut. Ah, peut-être là. Ah non, il y a un truc là. What? Ah, mais c'est ça qu'il me faut. Bah, c'est bon. Alors d'un coup le truc il a... Ah bah non, c'est le truc qu'on a retiré, je suis con. Oh mais frappez-moi quoi. Frappez-moi. Ok, donc il faut placer ça ici, on est bon. Et donc, grâce à ça, cette fois-ci... il est où? Il est là, ok. Cette fois-ci, on devrait être bon. Eh oui qu'on est bon. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est bon? Non? C'est pas bon encore? Attendez. Non mais, reviens dans le truc, s'il te plaît. Allez! Ah, voilà! Nickel! Et du coup, ça fait quoi? Ça fait... Je pense qu'il va falloir... Vas-y! Crie dessus là. Crie dessus. Je veux pas. Ne pas crier dessus. Ah, c'est un jeu d'ombre, vous allez me dire encore. Ah, avec mon ombre, à moi. Non? C'est pas avec mon ombre à moi? Ah ouais. Avec l'ombre de la statue alors. Ouais. C'est avec l'ombre de la statue. Voilà. Ouais, par contre... Comment faire? On peut-être se rapprocher. Sors de l'eau. Là, tu peux crier ou pas? Ah, yes! Oui! Nickel! Bon ben, je vais voir si ça fait un petit checkpoint, et puis on va se laisser là. Comme je vous ai dit, épisode assez court. Oh! Il y a une boule là dans l'eau. Il y a un truc ici. Ok, par là. Il y a une sortie. Ok. Ah! Il y a l'autre qui me voit. Alors, il va falloir trouver où est-ce qu'il faut aller. Par là. Vas-y, recache-toi sous l'eau. J'aimerais bien un petit checkpoint pour qu'on se laisse. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Là. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Est-ce que c'est le dernier? Oh! Allez! Fais péter la foudre! Pète-lui sa gueule! Yes! Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'était le dernier? Je sais pas. En tout cas, ça nous indique... La direction, bon bah je pense qu'on est bon là. Ça a dû sauvegarder à mon avis. Ouais bah écoutons, on va se laisser là dans ce climat apocalyptique là. On a foutu le gros bordel. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, c'est un épisode assez court parce que je vous ai dit en ce moment c'est pas la grande forme moi. Et puis voilà, je l'ai pas tourné 30 minutes. Enfin je me sens pas en état pour tourner un petit peu plus.
Et donc ben, le prochain épisode, ça sera la semaine prochaine. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie mercredi qui dit un petit peu ce qui va se passer sur ma chaîne dans les prochains jours, les prochains mois, notamment pour ce mois d'août où donc là à partir de la semaine prochaine il n'y aura plus que deux vidéos, enfin une ou deux vidéos par mois j'allais dire, non par semaine, voilà. Donc jusqu'à fin août, jusqu'à la sortie de F1 2017, donc voilà, c'est pas parce que ben j'aurai pas forcément le temps, et puis bon, moi ça m'arrange parce qu'en ce moment je suis malade, donc voilà, ça me permettra un petit peu de me reposer et tout. Donc semaine prochaine, deux vidéos, voilà, donc je pense qu'ils sortiront mardi et vendredi, donc mardi ça sera pas un épisode de Rime, ça sera sur un autre, ça sera une autre vidéo quoi, vous verrez bien, et donc vendredi, prochain épisode, donc dans une semaine. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos pouces bleus. Et on se dit donc à très vite pour de nouvelles aventures sur Rime. Allez, ciao ciao.